Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sortie un peu spéciale sur une inspiration d'une vidéo de Monsieur Fall qui avait fait le tour de l'agglomération d'Orléans. J'ai voulu faire pareil sur l'agglomération de Caen-la-Mer, passer par tous les patelins, toutes les villes, tous les villages. Bon, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup, donc c'était infaisable de tout prendre en vélo. Ça aurait fait, je sais pas, 300-400 km. Donc je me suis dit, bah, plutôt que de faire toutes les communes, je vais faire le tour de Caen. Ce qui représente déjà une bonne centaine de kilomètres. Donc comme l'indique son nom, Caen-la-Mer, on va aller voir la mer. Donc là, je suis à Giberville déjà. J'ai déjà coché deux villes, Mondeville et Giberville. Et j'ai deux, trois trucs à vous dire en plus, donc je vais faire ça à la cool. Allez, à plus. Saulier. J'ai rien à dire sur Saulier en fait. Je suis pas Wikipédia non plus. Me voici à Bourguébu. Donc Saulier et Bourguébu, deux petits villages voisins. Ils ont tous les deux un petit commerce de proximité. Et ça c'est cool. C'est propre comme ville. Les travaux qui ont été faits récemment. C'est bien agencé et tout. Deux petits villages sympas. Quelques infrastructures cyclables. Pas toujours très propre ou très praticable. Sur celle-là, par exemple, pour un moment, il y avait une tranchée, il y a eu des travaux. Ça faisait un trou plein de cailloux, très mal rebouché, pas du tout indiqué. Mais je vais essayer de prendre toutes les pistes cyclables que je trouverai sur le parcours, voir ce que ça vaut. C'est bien beau de mettre des pistes cyclables, mais après, il faut un entretien assez régulier. Et je peux comprendre que les agents d'entretien aient autre chose à faire que de s'occuper de ça. Kilomètre 10, passage par la commune de La Hogue. Seigueville ou Le Castellet, au choix. C'est un regroupement de communes qui donne des noms un peu perturbants. Saint-Aignan du Craménil. Nouvelle piste cyclable. Kilomètre 15,4. Alors encore un exemple, tout vert là. Plein de mousse, ça voit quasiment jamais le soleil à cause des arbres ici. Et ça arrive pile au moment où il y a un grand virage à droite. Là c'est bien vert. Donc, niveau dangerosité, on est pas mal. Après toujours pareil, on peut pas demander à des agents de venir démousser juste à cet endroit-là. Enfin, c'est compliqué. Garcelles-Seigueville. Toujours sur la commune de Le Castellet. Alors ici, il faut connaître, hein. J'ai l'impression que je suis perdu, mais pas vraiment. Si tu montes là, c'est pas très roulant. Hein. Donc tu descends là, tu passes sous la 4 voies. Et tu vois rien, mais il y a un éclairage. C'est climatisé. C'est beau. Rocancourt, kilomètre 19. Alors là on est sur un autre groupement de communes, Castines-en-Plaine. Donc Rocancourt fait partie de Castines-en-Plaine. Castines-en-Plaine fait partie de Caen-la-Mer. Caen-la-Mer fait partie de... Non, je plaisante. Les joies de l'administration. Où j'arrête de râler moi, non? Bon, non, après tout. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai des choses à vous annoncer. Alors attention, c'est du très très lourd. Hein. Faut se tenir prêt. Donc la première chose, c'est que cette année, mois d'octobre, je vais participer au Rock d'Azur, pour la deuxième fois de ma vie, sur le marathon du Rock, 103 km, pour 2700 mètres de dénivelé d'avancée. Voilà, ça va être cool. Il va falloir se préparer. Voilà, pour la première chose. Hallucinant, hein. Me voici à Saint-Martin-de-Fontenay, kilomètre 27,4. Et attention, paf! Me voici à Saint-André-sur-Orme, kilomètre 27,4. Une timide éclaircie dans cette bosse qui m'emmène à Feugrolles-Bully. Petit passage par Malteau. Sympa ce petit village d'Éterville. Par contre, j'ai eu un petit moment de torture. Aujourd'hui, comme plusieurs matins dans la semaine, je jeûne entre 20h et midi le lendemain, je ne mange pas. Voilà. Et c'est pas incompatible avec le sport. Hein. Donc là, il est 11h.
juste rond-point à l'entrée d'Héperville, il y a la boulangerie Clément. Et là, il y a une odeur de pizza. Ensuite, j'ai une odeur de viennoiserie chaude ou de pain, je sais pas, mais c'est trop bon. C'est dur. Ben voilà, c'est tout. La deuxième chose que je voulais évoquer sur cette vidéo, histoire de chaussures. J'ai plus de vélo de route, je m'en suis séparé, mon madone. Maintenant, je roule que sur le lapis, si bien en route qu'en gravel, et j'ai des pédales VTT. Donc des cales VTT sur mes chaussures, et j'avais encore deux paires de chaussures route que j'ai pas réussi à vendre. Et en démontant les cales l'autre jour, sur les deux paires, je me suis aperçu qu'il y avait des petits inserts métalliques sous la semelle pour y fixer des cales VTT. Et j'étais super content, parce que ces deux paires de chaussures, ce sont des écoilles, j'ai plus la référence, et les Shimano RP5, j'adore ces chaussures, les deux paires, j'aime beaucoup. Donc voilà, je les ai équipées de cales VTT, et je me retrouve avec deux nouvelles paires, du coup. Je suis plutôt content. Allez, à plus! Kilomètre 36,1. Je suis à peine rentré dans Fontaine-et-Tout-Four que je quitte pour arriver à Verson. Lui il me rase la gueule. Connard. Kilomètre 47, la vallée, près de Ville l'Orgueilleuse, kilomètre 50. Kilomètre 71,7 et au loin la mer. On va se rapprocher hein, quand même. Allez, un petit croissant aux amandes là, trop bon. 75e kilomètre, 1,4, Lyon-sur-Mer. Petit passage sur la plage, en mode gravel. C'est calme, c'est beau et c'est la Normandie. Kilomètre 78,1. Colville-Montgomery. Et la troisième chose dont je voulais vous parler, ce sont mes pneus de vélo. J'ai enlevé les Continental GP 5000 30 mm pour mettre des GP 5000 en 25 avec le flanc marron. Ça donne un style sympa. Donc je gagne en vitesse, en rendement avec ces pneus-là. Je perds un peu en confort. Le confort était vraiment top sur les 30 mm. Donc là, ça va. Avec 25 ça passe encore et le rendement c'est quand même plus sympa. Surtout dans le vent comme là, nom de Dieu, plein le cul de ce vent. Kilomètre 110,3, Démouville. Ça sent la fin. Fin de cette sortie de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit tour de Corps la mer. Je me suis bien amusé, moi j'en ai chié un peu, mais ça va, c'était sympa, c'était roulant, c'était sec. Pas mal de vent encore, mais ça, on a l'habitude maintenant.
Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, faites du sport, faites du vélo, soyez heureux. Allez, ciao!